Alors l'extrudeur suite, on voit ici ce qui fait l'engrenage si caractéristique de la tête d'impression d'une imprimante 3D. Mais que se passe-t-il derrière? Donc on retourne. Donc nous on a fixé le moteur sur l'une des parties et ici sur cette poulie on voit donc premier roulement à billes, deuxième roulement à billes, une vis, la vis sans fin. Et comment cela va-t-il se combiner? Donc à peu près à ce niveau-là. Excusez-moi, voilà. Et ensuite à ce niveau-là. Donc on met une deuxième fil sans fin qui attire qui fait rouler donc sur lequel le fil va rouler. Donc je rappelle que le fil passe par là. Ce petit bitonio en métal vient pour protéger le plastique qui s'use et qui s'abîme à force d'être parcouru par le fil en plastique. Et donc à travers ça, donc en fait il va venir plus exactement à ce niveau-là. Et en fait, à partir du moteur, on voit que c'est comme ça que le fil va être entraîné.